السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن حصة أخصها المستوى الثاني بكالوريا، اخترت لكم هذا الموضوع الخاص بدراسة الدالة أسية، موضوع شامل ومتكامل يضم مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرحها عليكم يوم الامتحان. إذن الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، سنتعامل معه كذلك باللغة الفرنسية في أغلب الأحيان حتى تعم الفائدة. إذن soit la fonction définie par f de x égale l'exponentielle de moins x plus 1 moins l'exponentielle de x moins 3. On vous donne bien sûr une courbe dans laquelle on a tracé la fonction dérivée de la fonction f. Voilà, بالنسبة لهذا الموضوع، وهذا هو الجديد في الموضوع، وهو أنه من خلال تقديم أو إعطاء لا فونكسيون أو جدول التغيرات ديال لا فونكسيون ديريفي، من خلاله خصكم تستنبطوا بعض المعطيات وبعض تجاوبوا على بعض الأسئلة المقترحة. إذن كالكولي لا ليميت أون إف دو إكس، لا ليميت دو إف دو إكس أون بلوس لانفيني، لا ليميت دو إف دو إكس أون موان لانفيني، كذلك بالنسبة لا ليميت دو إف دو إكس سور إكس أون موان لانفيني. أون فوندون بيان سور كو لا كورب الأدمي أون تونجونت أوريزونتال أو بوان دو كوردوني دو موان دو أو موان. موان زا. ديتيرميني لا فونكسيون ديريفي إف بريم. Dresser le tableau, calculer f de 2, déduire le signe de la fonction, montrer que f seconde égale à f de x, déduire que i est un point d'inflexion pour la courbe, montrer que la tangente au point i a pour équation cartésienne y égale, vérifier que le point de coordonnée 3, moins 2 sur e est un point de t, montrer que la courbe c est au-dessus de la courbe c'. Oui, c'est bien ça. Tracer la droite. Donc, tracer, de montrer que la courbe C est au-dessus de la courbe C'. Oui, c'est bien ça. Et tracer la droite et la courbe. Soit lambda un réel strictement positif. On désigne par A lambda l'air en unité d'air de la partie du plan limitée par les courbes C et C'. Et les droites d'équation x égale à 0, y x égale à 1, lambda, alors calculer A de lambda et déterminer alors la limite de A lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini. شامل ومهم جدا. إذا حاولوا ما أمكن تعاودوا تقراوه وتجاوبوا عليه بطريقتكم بطبيعة الحال اعتمادا على ما سبق أن درستموه. إذا غنطلق دابا الآن مباشرة، هذا هو المنحنى اللي عطاو بالنسبة لا فونكسيون ديريفي. دونك فوالا سي لا فونكسيون ديريفي. Il faut noter que c'est la fonction dérivée, bien sûr. Donc, c'est la fonction f'. Voilà, c'est la fonction f'. Donc, vous remarquez bien qu'il y a une demi-tangente au point. On a f', une demi-tangente horizontale au point 2. Donc, vous remarquez bien sûr l'allure de la courbe, bien sûr, qu'on va bien sûr convenir pour discuter. Alors, voilà. Donc, on va voir l'ajoubé de cette question. Mais, خلال هذه الأسئلة الأولى قال لك كالكولي لا ليميت دو اف دو اكس. إذا من خلال رؤيتنا للمنحنى دونك لوبسيرفاسيون دو لا كورب دو لا فونكسيون ديريفي، دونك كيس كون فادي كومون اون فاكالكولي لا ليميت دابور دو اف دو اكس. دونك هنا بدون استعمال لا كورب بيان سور غادي نقلبوا على ليميت أولا ديال بلوس لافيني، ما غاديش نستعملوا هنا لا كورب ديال لا ديريفي. إيكال أكوا سي لا ليميت دو لا فونكسيون ليكسبونونسييل دو موان اكس بلوس 1 moins exponentielle de x moins 3. Alors, vous savez bien sûr que lorsque tend vers plus l'infini, ce terme-là, ça tend vers moins l'infini, donc c'est 0. Donc, il reste ici plus l'infini. Avec ce moins, ça donne moins l'infini. Alors, si je cherche la limite de f de x sur x en plus l'infini, ça sera donc la limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est-à-dire de l'exponentielle de moins x plus 1 sur x moins exponentielle de x moins 3 sur x. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, donc ça, bien sûr, l'exponentielle de moins x plus 1 sur x, je peux l'écrire comme étant, voilà, c'est limite en plus l'infini de 1 sur x fois l'exponentielle de moins x plus 1. Donc ça, c'est l'exponentielle de moins x plus 1. Je sais que l'exponentielle de moins x plus 1, lorsque ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc 0 fois 0, c'est 0. Donc il me reste la limite de l'exponentielle de x moins 3 sur x. Donc il y a différentes manières de le faire. Donc je peux même
faire égal, voilà, exponentielle de x plus y, exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Donc si je fais sortir l'exponentielle de mon 3, il me reste l'exponentielle de x sur x. Donc ça, c'est plus l'infini. Et par conséquent, la limite de f de x sur x en plus l'infini, parce qu'il y a un signe moins ici, donc ça sera donc moins l'infini. C'est-à-dire, on aura donc une branche parabolique de direction l'axe des y. Donc je vais l'écrire, donc branche parabolique, j'ai écrit en abrégé, je m'excuse, de direction. Donc de direction, direction l'axe des ordonnées. Et déjà, on a la soeul A, la soeul B. Et la limite de f d'x en moins l'infini. Donc, je laisse l'espace, donc je m'excuse. Donc, je vous demande pardon. Alors, pour la limite, je vais l'écrire ici. Donc, la limite de f de x en moins l'infini. Donc, vous allez faire de la même manière pour la retrouver. Donc, moins l'infini, ça sera ici plus l'infini. Et la limite de f de x en moins l'infini, ça sera égal moins l'infini. Donc c'est très facile puisqu'on vous demande de calculer sans même montrer. Alors toujours de la même manière, ici vous avez une branche parabolique de direction l'axe des degrés. C'est-à-dire, فرع الجميع اتجاهه محور الأراضي. إذا غنطاقو السؤال الثاني وهو déterminer f'. Donc bien sûr, la dérivée f étant une fonction dérivable. Donc, étant une fonction dérivable, il y a un f' de x, ça sera la dérivée de moins x plus 1, exponentielle de moins x plus 1, moins x moins 3 prime x moins 3. Donc, je la fais directement, bien sûr. Donc, ça sera donc égal à moins exponentielle de moins x plus 1 moins l'exponentielle de x moins 3, ou bien moins exponentielle de moins x plus 1 plus l'exponentielle de x moins 3. L'exponentielle est toujours positive, mais avec ce moins-là, c'est négatif. Donc, c'est-à-dire que la fonction est strictement décroissante sur R. يعني أن هذا لا تناقصية قطعا على المجال R. إذن بالنسبة للسؤال B، on va dresser le tableau de variation de la fonction f. إذن pour dresser le tableau de variation de la fonction f، il faut faire très attention من خلال la courbe عندنا. C'est-à-dire اللي رجعت معكم la courbe. هنا تلاحظوا بأن عندنا c'est la courbe f prime. Donc vous avez ici une tangente horizontale au point 2. Que ça veut dire une tangente horizontale au point 2? C'est-à-dire tout simplement ici que f seconde de 2 égale à 0. Ça explique que, voilà, il y a une tangente au point 2. Donc, c'est-à-dire, si vous cherchez la fonction, la monotonie de la fonction, ici elle est croissante, de moins l'infini à moins 2. Donc, je dis que sur l'intervalle moins l'infini 2, la fonction f prime de x, comment il est? F prime, elle est croissante. Donc, s'il est croissante, ça veut dire que la dérivée f seconde de x, elle est positive. هذا خد سؤال غير مطروح ولكن غادي نعطيكم الأهمية ديالو. بالنسبة للمجال 2 plus l'infini, vous avez la fonction, elle est bien décroissante, ce qui explique que f seconde de x, ça sera donc négatif. Alors, il a besoin de tracer le tableau de variation de la fonction. Il y a ce qui est important. Vous avez x moins l'infini plus l'infini. Donc, on a la dérivée seconde de x et on a la fonction f' de x. Alors, on a dit que la fonction f prime, elle est croissante ici, elle est décroissante là. Et vous avez ici une tangente, c'est-à-dire la dérivée ici, c'est-à-dire au point 2. Donc, c'est positif ici, il est négatif. Alors, si vous cherchez ici, on vous donne moins 2 sur E. Donc, c'est-à-dire que 2 est une valeur
maximale. Alors, si c'est une valeur maximale, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, donc on aura toujours f' du x est inférieur ou égal à f' de 2. C'est-à-dire f' du x est inférieur à moins 2 sur e. Quand moins 2e sur e est négatif, ça veut dire que f' de x, elle est négative. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Et dès le cas f' négatif, donc c'est-à-dire que f est strictement décroissante. Alors cela, bien sûr, va nous aider de dresser notre tableau de fonction, tableau de variation de la fonction f. Donc vous avez x, donc moins l'infini plus l'infini. Donc voilà f' de x et f de x. Alors, on a trouvé ici moins l'un, le négatif, donc c'est-à-dire décroissante. Donc, on a ici trouvé moins l'infini, ici plus l'infini. N'oubliez pas que pour 2, on a f de 2 égale à 0. Alors, cela, bien sûr, va nous aider pour répondre à la question C. Donc, la question C, c'était calculer f de 2 et déduire le signe de la fonction. Alors, C, vous remarquez que f de 2 n'est autre que l'exponentielle de moins 1 moins l'exponentielle de moins 1, c'est bien égal à 0. Alors, ça veut dire tout simplement, ici, vous aurez le signe de la fonction qui vient de plus l'infini à 0, c'est-à-dire elle sera tout le temps ici positif. Alors, ici, elle sera négatif. Ou bien, vous pouvez faire autrement. Et vous allez chercher l'image de l'intervalle moins l'infini 2. Alors, ici, il est égal à quoi? Puisque la fonction, elle est décroissante. Donc, ça sera 0 plus l'infini. Et f de 2 plus l'infini égale à moins l'infini 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 2, vous aurez tout le temps f de x est supérieur strictement à 0. Et quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, vous aurez f de x appartient à moins l'infini 0, c'est-à-dire que f de x est inférieur à 0. Donc, voilà pour le signe de la fonction. Si je passe à la question 3, alors on va chercher f seconde de x. Donc c'est la dérivée de moins l'exponentielle de moins x plus 1 plus moins l'exponentielle de x moins 3. Alors si vous cherchez la dérivée, ça vous donnera tout simplement c'est l'exponentielle de moins x plus 1 moins l'exponentielle de x moins 3. Donc c'est bien égal à f de x. Alors la question B, déduire que i est un point d'inflexion. Alors, on a f de 2 égale à 0. Et d'après le tableau de variation que j'ai dressé tout à l'heure concernant la fonction f seconde, c'est ça l'importance où ça devient, vous aurez remarqué que f seconde, elle change de signe. Elle change de signe au point 2. Il est tantôt ici positif, tantôt ici négatif. C'est-à-dire, c'est comme si la courbe ici sera vers le haut, ici sera vers le bas. Ça concerne la concavité. Alors, on va dire tout simplement, à partir de ce tableau-là, que f seconde, il change de signe. Change de signe en point 2. Le point I, 2, 0, est un point d'inflexion. Et donc, bien sûr, le réponse est le réponse à la mourad. Mais il y a quelques étudiants qui peuvent aller chercher la dérivée seconde ou chercher la solution de la solution de la c'est tout à fait difficile, mais on doit pas, ne va pas arriver à déterminer la dérivée seconde. Alors, voilà, où ça la dérivée seconde. Et donc, bien sûr, le sous-L, c'est. Alors, montrez que l'équation de la tangente, vous savez, l'équation de la tangente, c'est tout simplement, ça s'écrit f' de 2 au point 2, x moins 2, plus f de 2, comme f de 2 égale à 0, donc il faut chercher f' de 2 que j'ai trouvé, moins 2, moins 1, donc c'est-à-dire, on aura moins 2 l'exponentielle de moins 1 fois x moins 2, donc c'est-à-dire moins 2 l'exponentielle de moins 1 x, plus 4 exponentielle de moins 1, donc c'est bien ça. Alors, on va vérifier que le point de coordonnée 3, moins 2 appartient à T. Alors, pour montrer cela, donc, on va poser x égale à 3 et on doit vérifier en remplaçant x par 3, c'est-à-dire voilà, 3
plus 4 exponentielle de moins 1, ça va donner moins 2 exponentielle de moins 1. Et c'était bien l'image de 3. Donc vous remarquez, bien sûr, c'était l'image à 3. Donc ce qui prouve que le point de coordonnées 3 moins 2 exponentielle de moins 1, il appartient vraiment à l'équation bien tangente. Alors, quand il y a la position relative, donc ici, il faut montrer que C est au-dessus de C prime. Donc, lorsque je dis C est au-dessus de C prime, ça veut dire qu'il faut montrer que la courbe de C, f de x, moins f, la courbe que représente C prime, c'est f prime de x, il faut montrer que cela est positif. Alors, on a f de x moins f prime de x égale à quoi? Est égal à l'exponentielle de moins x plus 1 moins l'exponentielle de x moins 3 plus l'exponentielle de moins x plus 1 plus l'exponentielle de x moins 3. Donc après simplification, donc vous allez trouver c'est bien 2 exponentielles de moins x plus 1. Comme l'exponentielle est toujours positive, donc c'est-à-dire que f de x est supérieur à f prime de x, ce qui prouve que la courbe C est au-dessus de la courbe C prime. Donc voilà pour cela comment on montre la position relative. Donc il me reste le traçage de la courbe. Donc je l'ai tracé déjà à l'avance. Donc je vais vous montrer la courbe. Voilà. Donc ce que vous devez savoir, donc j'ai tracé la tangente T au point 2. Voilà. Et vous avez que le point 2, c'est le point d'inflexion. Donc il change de signe au point 2. Et vous remarquez bien sûr que la courbe C, bien sûr, ce n'est pas la courbe C prime. Donc, c'est la courbe C qui est au-dessus de la courbe C prime. Alors, vous remarquez bien, voilà la courbe comment on va passer. Et sans oublier, bien sûr, que le point 3 dans l'image, il appartient à T. Donc, voilà. Et la courbe, grosso modo, vous aurez bien sûr son allure de cette façon-là. Sans oublier, bien sûr, que vous avez une branche parabolique de direction Y de part et d'autre, soit de moins l'infini, soit de plus l'infini. Donc voilà, donc je passe maintenant à la question 5. On vous dit, voilà, soit lambda x égale à 0, x et lambda, on veut recalculer l'aire. Alors, pour calculer l'aire, donc puisque vous avez C, la courbe C est au-dessus de C prime, c'est-à-dire que l'aire qu'on cherche n'est autre que l'intégrale entre 0 et lambda de f de x moins f prime de x. Donc voilà, si je reviens avec vous à la courbe, on retourne à la courbe. Donc la courbe entre 0 et lambda, tel que lambda est supérieur à 0. Donc cette aire-là, elle est limitée, si vous voulez, si je prends par exemple cette partie-là, entre 0 et lambda, voilà, et je cherche cette aire-là qui compris entre, bien sûr, compris entre la courbe C et la courbe C prime. Donc la courbe C, bien sûr, se trouve au-dessus de la courbe C prime. Et donc, c'est-à-dire, on doit mettre f de x moins f prime de x. Donc c'est bien ce que j'ai mis. Donc il suffit de remplacer, donc entre 0 et lambda, de l'exponentielle de moins x plus 1 dx. Ça, donc ça va vous donner, bien sûr, f de x moins f prime de x, ça me donne 2, donc je peux le faire sortir ici. Donc c'est moins 2. Alors l'intégrale de l'exponentielle de moins 2x de ax plus b, c'est 1 sur a. Et comme a ici est négatif, donc on a moins 2. On ne va pas se tarder pour le prouver. Donc ici, il ne reste à chercher cette en remplaçant par les bornes. C'est-à-dire, ça va donner moins 2, l'exponentielle de moins lambda plus 1, moins e. Donc c'est bien ça, sans oublier multiplier par l'unité d'air. Alors pour la question B, donc la limite de cette aire-là, bien sûr, en fonction de lambda, lorsque lambda tend vers plus l'infini, la limite de ça, c'était égal à 0. Il reste moins 2 fois moins e, donc c'est 2e. Donc voilà pour cette dernière question. Donc je pense que c'est un sujet très intéressant. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse en tirer profit. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.